Yo la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. On avait rendez-vous à 16h. Il est 16h, donc je vous parle aujourd'hui dans cette vidéo des Demordoli Koufa. Le maître. Maman Georgette et toi. Maman Nini et Maman Georgette et toi. Maman Nini et Ouais, dans cette vidéo, on va parler de tous les projets de Bordeaux et Koufa en cours. Mais avant de parler de lui, comme d'habitude, hein, comme j'ai toujours coutume de le faire, on va parler de Arel Chéné et Savaro Le Bien. En tout cas, les petits sont en train de préparer tranquillement leur concert. Ils sont en pleine répétition. En tout cas, le concert promet. Le concert promet. Je peux vous rassurer que ce sera vraiment du gros spectacle. Voilà. Sans oublier au passage, il y a un événement que je dois soutenir et que je vais soutenir. C'est la sortie de l'album de DJ Arafat ce 28 décembre. En tout cas, ça, c'est le Coupé Décalé qui gagne. Je prie que tous les fans du Coupé Décalé se manifestent à la sortie de cet album-là pour l'acheter. Même si ce dernier est là et puis après il se moque de nous, c'est pas bien grave. Mais au moins soutenons ce mouvement-là. Ça, c'est le seul truc de Didier Arafat que je soutiens actuellement. Voilà, je suis fier de le dire, je le dis à visage découvert. Je soutiens l'album de Didier Arafat, qu'il est son disque d'or. On va dormir un peu en paix. Voilà, on sera un peu à l'aise parce que mine de rien, il y a longtemps qu'on entend parler de ce projet-là. Donc j'espère que tout le monde a acheté sa carte bleue. J'espère que tout le monde a cotisé un peu d'argent pour acheter cet album-là. Donc franchement, soutenons. Et puis, rendez-vous ce 22 décembre du côté du stade de l'université de Cody avec le grand concert live du grand artiste nigérien Wizkid et de la Benomania. Voilà, lui parle plus tôt, franchement, effectivement, tu parles plus tôt et je suis fier de toi, franchement. Même si j'ai pas l'habitude de le dire, mais je reconnais que tu es un artiste à féliciter parce que tu es professionnel et puis moi j'adore les professionnels. Voilà, il y a eu souvent des histoires, hein. Il y a eu souvent des histoires, je m'en excuse, mais priez m'excuser, priez vraiment m'excuser. Je m'excuse auprès de tous les fans de Débordes, choses hors de trucs de Serge Benoît. Je m'explique, je m'excuse auprès de tous les fans de la musique ivoirienne parce que souvent j'ai eu des propos désobligeants à l'endroit de cet artiste là. Franchement, mille excuses. Voilà, donc rendez-vous ce 1er janvier 2019, rendez-vous ce 1er janvier 2019 au truc. À l'Ivoire Buff Club pour le concert des meilleurs. Voilà, il s'agit là de Safara Lobiang et d'Ariel Chiny. Franchement, ça va pas connaître. Ça va vraiment pas connaître. Et puis les tickets sont en train de sortir en tas. Ouais, M Group, bravo. 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 Et puis au passage, un clin d'œil au grand Femola. Vraiment, merci. Merci pour tout ce que tu as essayé de faire dans cette histoire entre de Bordeaux et Didier Arafat. Vraiment, merci. Et je pense bien que le message que mon artiste de Bordeaux qui voulait envoyer à Didier Arafat est bien passé. Aujourd'hui, tu es réconcilié avec Didier Arafat, tant mieux. Je dis merci aussi à Baby Philippe qui a soutenu en partageant l'affiche de l'album de Didier Arafat. Franchement, c'est la musique ivoirienne qui gagne. C'est la musique ivoirienne qui gagne. Ouais, c'est pas du jeu. Dieu va faire un peu. Tout sera zo. Moi, je suis confiant. Je reste toujours confiant. Soutenons la sortie de l'album de Didier Arafat. Je sais pourquoi je vous dis ça. Voilà. Courons dans les esprits. Courons dans les têtes. Voilà. Big up à mon petit Mouzingue de Versailles. Grand fan de Bordeaux Likoufa depuis Sassandra. Le Didier qui contrôle Sassandra actuellement. Big up mon petit. On a eu à discuter longuement. J'espère que tu m'as compris. Regarde ton vieux personnage. Et puis tu vas voir comment ça se passe. Donc sois serein. Et puis gros big up à toi. Gros big up à tous mes abonnés depuis Sassandra. Big up. Ben, c'est la musique qui va rien qui gagne. Voilà. Une autre chose. Mola a fait sortir Sommet aujourd'hui. Voilà, c'est un clip à regarder. Franchement, c'est un clip qui a créé polémique, qui t'ont insulté de partout. Ouais, vieille. Tu as tué le clip. Joli clip, tranquillement, tranquille. Allons-y, augmenter les vues là. Voilà. Parce que c'est un vieux Mora à respecter. Quel que soit ce qu'on dit, Mola reste de Mora. Ouais, quel que soit ce qu'on dit. Voilà. Chacun ses défauts. Nul n'est parfait. Autant vous décriez le truc, les imperfections comportementales au niveau de mon artiste de Bordeaux, autant aussi il faut les décrire aussi de chez votre artiste, chez tous les artistes. Voilà, aucun artiste n'est parfait. Ils ont tous des défauts. Ceci étant, on parle maintenant de Bordeaux Likoufa. Je vous avais dit ici hier que de Bordeaux Likoufa était préparé une grosse surprise pour ses fans. Vous avez vu ça en amusement, non? Voilà. Hier, il a annoncé un statut comme quoi
dans ces jours qui arrivent là, il n'a pas encore donné de date, dans ces jours qui arrivent là, il vient avec un nouveau single. Voilà, pour vous montrer qu'il est et il demeure. Continuez de parler, continuez de créer, de semer la division entre les artistes. Mais lui, il va s'exprimer désormais par son travail. Tous sont en train de conspirer comme quoi le promoteur est en train de créer des problèmes à Debordeaux Likoufa. Si vous avez vu que jusque-là, je ne me suis pas encore prononcé, c'est parce que mon cœur coupe pas. Comme on dit, ça chauffe nullement pas. Voilà, regardez comment ça s'est passé. Voilà. Quand je vous dis que Debordeaux Likoufa vous réserve du gros professionnalisme en 2020, ne vous prenez pas abusivement. Regardez seulement. Donc, chers fans, soyez connectés. Soyez connectés parce qu'il y a un truc qui en est actuellement. Voilà, il sait que bientôt, les jours qui suivent, là, il va nous faire un truc et puis va nous donner la date. On fait ça zo. Voilà. Donc, j'invite tous les fans du Coupé de Galles à soutenir aussi Debordeaux Likoufa. Ouais, c'est l'artiste qui est vraiment incompris. Ça, retenez-le, il est vraiment, vraiment incompris. Il n'est pas mauvais comme les gens sont en train de vous faire croire. Voilà, il a son défaut impulsif, mais il a un très bon fond. Voilà, il a un très, 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 très bon fond. Il a un très, 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 très bon fond. Donc, soutenons Debordeaux Likoufa. Donc, je vous avais dit aussi qu'actuellement, il y a beaucoup de promoteurs qui sont dans son réseau pour organiser un concert. Mais comme il a bon esprit, comme il n'a pas envie de boycotter les projets de son ami, il laisse faire. Donc, il est en train de réfléchir. Sinon, allez là. Il fait conseil, il va briller. Là, il bouge en même temps. Il a des fans aussi. Il a des fans aussi. Il a vraiment, vraiment des fans. Excusez-moi, il y a une fille à côté de moi. Et si vous l'entendez par moment, ne vous plaignez pas. Voilà, elle a envie de faire des vidéos aussi. Voilà. Donc, famille, donc ce sont les deux bonnes informations que j'ai déjà vous fait passer. Soyez tranquille et serein. Debordeaux Likoufa arrive en force de chez en force. C'est l'artiste là, quand il ne parle pas, il peut trembler. Poussez-le à parler. Voilà. Poussez-le vraiment à parler. Donc, famille, laissez les gens parler. Laissez les gens parler. Ne doutez même pas. Ne doutez même pas. Restez Debordeaux à vie. Parce que ce qui arrive là, moi j'ai déjà une idée. Parce que s'il donne le nom, ça va faire trop tache d'huile. Mais je pense qu'il est fort probable que ce soit le dos à dos. Je pense et je crois que ce soit le dos à dos. Voilà. Son dos à dos, vous avez demandé là. C'est un téléchargement. Maintenant, ce que je vais vous demander là, c'est de soutenir l'artiste. Partagez tous ses mouvements. Commentez. Abonnez-vous massivement à sa page. Voilà. Parlez bien de votre artiste autour de vous. Il a trop de gros projets pour ses fans. Il a trop de gros projets. Soyez serein. Aïe! Ce qui va se passer avant 2019, c'est Dieu seul qui sait. Voilà. Moi, jusque-là, j'espère toujours hein, voir mon artiste Debordeaux au concert du 29 décembre 2018. Même si c'est impossible, moi, j'espère toujours. Voilà. Donc, chers magnans, restez sereins. Il y a un single qui est déjà cuit. Maintenant, on est en train de chercher la date pour le faire sortir. Soyez sereins. Vous serez fiers de votre Debordeaux. Vous voyez, quand vous allez entendre le son, quand vous allez écouter le son, là, franchement, il va mettre tout le monde au respect. Vous avez parlé d'Agaza, Agaza, 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 Agaza. C'est pas Agaza, Agaza, vous tous êtes dansé là. Du lion jusqu'au plus petit. Tout le monde dans Agaza, Agaza. Voilà, c'est Debordeaux qui fait ça. Donc n'oubliez pas. Il faut le respecter. C'est pas un artiste à négliger. C'est pas un artiste banana. Voilà, donc famille, c'était les annonces que je voulais vous donner sur Debordeaux. Soyez tranquille. Voilà, les gens qui vous font croire que Debordeaux est foutu ou bien un problème de pas le contacter, c'est que du n'importe quoi. Vous avez vu, ça a tourné en 2019, il n'a encore rien fait. Son album n'est même pas encore sorti. Le single tant attendu, elle n'est pas encore sorti. Non, cher Mayan, soyez serré et puis restez éveillé. De quoi va me bouler encore. Et puis ça va déranger, ça va déranger. C'est lui qui fait sortir un seul son, et puis ça déstabilise au moins 100 sons. Vous-même, vous savez. Vous-même, vous savez. On parle plus, hein. On regarde. Voilà, parce qu'il a trop parlé. On dit, on commence à avoir d'agbé. Voilà. Donc, déjà 18 dates calées pour la tournée européenne. Donc, chers membres de la diaspora, à tous les Français, les Italiens, les Belges, les Allemands, en tout cas, à toutes les nationalités du côté de l'Europe, de Bordeaux, qui va arriver, il sera des vôtres. Il sera des vôtres. Début février, voilà, il sera en tas. Ce qu'il a fait au mois de juin, là, il revient faire ça encore parce que la demande est trop. Et ça, là, c'est le promoteur qui appelle. Hein. C'est le promoteur qui dit allô,
Maître, maître, on a besoin de toi ici. Les fans ont besoin de toi. Restez là à parler. Il viendra toujours fermer votre bouche. Voilà. Au lieu de chercher à réconcilier vos artistes, vous êtes là toujours à insulter une chose. Moi, c'est le plus moi. On ne comptait même pas sur moi pour insulter Kicharapat. Pas du tout. Mais, il a commencé à charger le problème de mon artiste de Bordeaux. Voilà. Donc, chers fans, restez sereins. Soyez fiers de votre artiste parce que. Il y a du lourd avant la fin de l'année 2019. Tout serait vraiment servi. Vous ne serez pas déçus. Voilà, on reste des Bordeaux à vie. Il y a un truc, son album qui est déjà prêt. Et puis, il y a sa tournée au Reprenne, début février. Donc, restez scotchés. Voilà. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, c'est le son qui est là. Il y a un son qui sort dans ce temps-là. Bientôt. Voilà. Donc, c'était la vidéo du jour. Un peu dégommage, mais les plus intelligents ont compris la vidéo. Des Bordeaux aujourd'hui, des Bordeaux demain. Maître, maître! Ciao, ciao les amis, que Dieu vous bénisse ensemble.